Salut YouTube, bienvenue pour cette 18ème VOD, la vraie cette fois-ci. Parce que je suis mort comme un caca juste avant, parce qu'une carte m'a trollé. Et ouais, ça servait à rien, ça durait 20 minutes, c'était nul. Donc je préfère commencer maintenant, alors que celle-là, je sens qu'elle va aller loin. Regarde. De toute façon, si elle est sur YouTube, c'est qu'on... elle aura un certain intérêt. Bon, allons-y. On était parti sur ça, sur Mev, avec la foudre. Non, mais j'aime pas la foudre, en vrai. J'aime pas la foudre, je préfère ça. Et ça... Non mais si, c'est quand même bien ça. Continuez. Oui. Le premier pouvoir. Apprenti, commencez le parcours. Jamais, nous n'avons jamais été aussi rapides pour lancer une partie YouTube, sache-le. C'est parce qu'on a passé 3 heures juste avant. Un certain intérêt, ça peut vouloir dire plein de choses, du genre Epic Fail aussi. Bah non, c'est pas un epic fail là, c'était un fail de merdique parce que la carte te disait « Ah là là, tu peux piocher jusqu'à 6 cartes et tu dois te défausser du même nombre de cartes. » Mais du même nombre de cartes que quoi? Que 6 cartes ou du nombre de cartes que tu pioches? Parce que là en l'occurrence j'ai pioché 3 cartes et je m'en suis défaussé de 6. Moi je pensais que j'allais piocher 3 cartes et me défausser de 3. Eh ben non. Chez le jeu, quoi. Ben tu pioches, je suppose. Oui, tu pioches 6 cartes. Jusqu'à 6 cartes. Là, j'ai pioché 3 cartes, parce qu'il m'en restait... il me restait 3 cartes dans ma pioche, donc je pioche 3 cartes, et tu te défausses du nombre de cartes que tu as pioché, normalement. Mais non, c'est du nombre de cartes qui a indiqué sur le... Parce qu'en fait, c'est un perso qui augmente... à chaque tour, il augmente le nombre de cartes que tu peux piocher. Donc t'as 1, 2, 3, 4, 5, et là j'étais à 6. Je me suis dit non, ils vont pas me faire la baise de... c'est ma même... Non, voilà, je vais faire 3 et 3, c'est logique. Mais non. Non, 3 et 6, j'avais plus de cartes. Je suis passé de 4 cartes à... de 4 cartes à 1. Du coup, je me suis fait défoncer. Forcément, bon allez, on s'en fout. Allez, combat, on verra après pour le chemin. Surtout qu'on a dans le trou, le chemin sympa là, fait chier. C'est ainsi, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, des fois, et je sais pas s'il y a une erreur de traduction ou c'est juste de la merde. Ah ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ouais j'aime bien. J'aime bien ça, ce petit combo là. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ça c'est pas... Ça c'est bien. D'abord ça, ensuite ça, et ensuite ça. Termine l'échange. C'est mieux. C'était pas mieux. Alors, générer un vrag. Bon, bah du coup, on va commencer directement avec ça. Dégarpissé, sale démon. Fichier de points dégâts à une unité ennemie. C'est toi qui vas prendre. Ouais, si tu veux. Ok. Merci. Hop. On va attendre de voir si... Bah du coup j'étais un peu... Voilà. Un peu chaque fois là. Hein. Un peu chaque fois. C'est dommage, j'ai pas encore mon emote à Maua. Ah non, merde. Ça fait chier. Mon combo. Jean-Michel, mon combo. On le fait maintenant. Je pense qu'il faut le faire à chaque combat, hein, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas lui. Idaran Dulivo. La première fois que vous générez une unité de votre côté du champ de bataille, à chaque tour, générez-en une copie, il y a une force de 1 sur cette ligne. Puis ajoutez-lui l'attribut Condamned. C'est fort ça. Ça aussi c'est fort. Ça non. Mais ça c'est fort hein. Quoi? Est-ce qu'il veut dire que il peut y avoir des baroudes d'honneur, 9 heures de harpie supplémentaires, etc. Ah j'ai envie de la tester. Attends, c'est sur cette ligne? Ah merde. Ah oui, attends, on verra après. Ah merde, ça c'est pourri ça. Générer deux bourdons sur cette ligne, puis améliorer tous les autres insectoïdes sur cette ligne de 1 point. Ah, merde.
Réinitialiser la force de la présente unité et générer sur cette ligne un nombre de rats équivalent au montant de l'amélioration perdue. Au terme de votre tour, dévorez l'unité située à votre droite. En vrai, oui. Ça sera toi. Alors Jean-Mich, première fois que vous générez une unité de votre côté du champ de bataille, à chaque tour Oui, j'aime les dissections bien. Générer. Ah, ça génère. Ça le fait qu'une seule fois? De la merde. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, 9, 10. Ça passera pas. Ah merde. Oui, on peut lui faire bouffer ça. On va voir, on va mettre ça ici. Je sais pas en fait. Ah mais Gisèle, mais oui bien sûr Gisèle. Évidemment Gisèle. Tous les jours Gisèle. Pour la Lyrie et Rive, pour le Nord. J'aurais pu la mettre là aussi. Des choses plus intéressantes à faire en bas. Bah bien sûr, c'était ça qu'il fallait que je pose. C'est pas grave. Aïe! C'est pas sympa ça. Tous les deux tours. Oh toi non. Toi ça va pas du tout. Ah par contre un des deux. Ah s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on ferait pas un petit dégât et destruction là? Parce que lui il va nous faire chier. Ça fait vachement Hearthstone-like. T'as jamais joué au Gwent? Tu connais pas le Gwent? Alors moi je connaissais pas le Gwent avant de jouer à ce mode. Hein. Là c'est un mode single player qui s'appelle Rogue Mage du Gwent du coup. Le Gwent donc c'est le jeu de... qui est le jeu de cartes qui est implémenté dans le... Ici, c'est un nombre rare équivalent au nombre d'améliorations perdues. Non, mais là, il n'y a pas besoin, là. Est-ce qu'on pourrait pas jouer ça? Attendez. Là, je vais faire combien de rats? Un rat? On s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais un truc et je me suis coupé tout seul, comme un grand, hein. Comme d'hab, hein. Like usual. Visiblement, je l'ai mal revissé. J'ai visiblement mal revissé mon... Cette journée est formidable. Je me suis fait casser la gueule en boucle dans Dreamscaper. Je me fais troller dans Rogue Mage et je me fous de la flotte partout. Parce que je sais pas revisser un truc. Tout va pour le mieux. Bum bididin, bum bum bim bum. Ding 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 ding. Alors, censé faire une dingue. Attendez, et si je fais ça? Donc ouais, c'est bien ça. Hein. Ça génère des trucs en plus. Bon, c'est pas fou, mais. Déploiement, c'est que du déploiement tout ça. Éthyriel. Fais gaffe parce que... Ours déchaîné, non, ça va. Ah mais... Bah pourquoi pas, hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça génère ça ou pas? Ah ça génère un truc parce que... Ah mais il y a une force de 1, ok.
Donc là, est-ce que ça va faire ça d'abord ou ça? Est-ce qu'elle va pimper et dévorer? Ou c'est dévorer pimper? On va le savoir tout de suite. Dévorer. Pimped. Dommage. J'ai pas bu. Il était à 8. Ah, si c'est dévorer pimper, ouais, c'était dévorer pimper. Dommage. Oui, si tu veux. Si tu veux. Évidemment, on a eu aucun des deux. Hein. C'est génial. Ça se part. Vraiment, ça se part. On va poser ça ici. Est-ce que je rajouterai une petite vache pour le plaisir, là-haut? Pour le plaisir, hein? Pour le zizir. Ah, pas mal. Pas mal, ça. Elle est sympa, celle-là. Pas beaucoup, mais pourquoi pas, pourquoi pas. On en est là. Pour mettre un dégât à lui. Déploiement. Ah, et là, développement, elle, quand même. Développement, rappelez-moi. Améliorer la percentage de 1 point du montant indiqué. Chaque fois que vous jouez une unité ayant une force supérieure. Ok. Là, que lui, on pourrait le détruire. On pourrait le détruire. On va le détruire. Oh ! Ah oui, mais non, c'est que 1. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà mieux que Rin. Moi, il se déploiera pas. Et voilà. Bam, badadam, bam, 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 bam. Ah, mais elle, il aurait fallu la poser là. Comme ça, il l'aurait bouffé aussi. Ouais, c'était pas mal, ça. Dommage. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ouais, il pose des trucs quand même, hein, il pose des trucs. D'ailleurs, on peut toujours le faire. Hein. Est-ce que... Je sais pas si c'est mieux ça. Peut-être sur le dernier tour. Mais ce sera pas suffisant, non? Coucou Mukama, comment vas-tu? Mon petit Mouk Mouk. Ça va super à toi. Ah bah écoute, ça va bien. Ça va tranquillou. Tranquillou biloute. On se fait... C'est la matinée du cassage de Huck. On se fait casser... On se fait bien casser le Huck en... Voilà. En bon uniforme. On se fait bien casser le Huck en bon uniforme. Mais on se laisse pas faire, hein. On se laisse pas abattre, hein. Réinitialiser à force. C'était bien ça. L'aménagement avec Rocro s'est bien passé. Oh, c'est pas fini. Oh mon dieu, si tu savais, c'est pas fini. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à bouger. Étant donné qu'on travaille tous les deux, on est à temps plein tous les deux. Et surtout qu'elle vient de partir là. Elle part 6 jours là. Donc c'est toujours pas fini. J'essaie d'avancer de mon côté, mais je peux pas tout faire tout seul, quoi. Zbabouziba. Ah, Zbabouziba. Pompé, boum, boum. Donc là, c'est la dernière chose qu'on va pouvoir jouer. Voilà. Ça devrait le faire. Merci, en tout cas. Merci pour le courage. Oh! Mais ça va, on est loin quand même. Mais ça, regardez, il passe de 5 baf, à 18. Il est fort, lui. Si j'avais pas fait la boulette tout à l'heure... Ah mais ça va, non, si, on a perdu à cause de ça. Je sais plus. Merci Mouk Mouk.
pour le coup Rage. Ah, un deuxième comme ça, ah, lui aussi il est pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Infliger à unité un saignement. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait virer sinon? Ah ouais. Un cyclope. Bah le cyclope. Merci. Alors, ça va, c'est le premier combat. Normalement, on s'en sort sur le premier combat. Le cyclope, ouais. Un slizard, j'aime bien. J'aime bien l'idée d'avoir deux slizards sur les deux lignes. Comme ça, ça permet de vraiment de bouffer ce qu'on veut. Et de générer de la value. Plus facilement. Ou moins difficilement, je sais pas. Oh oh. Oh oh. Ou ici. Paf, paf, paf. Paf ou paf, là, ici. On a du paf, là. Oh, quoi? Attends, attends, attends. Ça revient au même là. Mais quelle est cette... Oh là là, déjà il y en a 3 là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, double pif là. Pas mal, c'est pas mal ça. Après, on peut aller... Ah non, on peut pas aller là. Non, l'élite sur la fin, c'est jamais une bonne idée. It's never a good idea. Par contre, on peut peut-être faire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on atterrisse ici. Surtout pas qu'on aille là. Parce que là, c'est l'élite. C'est l'élite obligatoire. Ici, on aura plus de choix. De cette zone. Donc, ok, on veut atterrir ici. Si on atterrit ici... qu'est-ce qu'on veut du combat? De mon côté, je viens de reprendre le travail. Je m'étais pris une semaine et demie de vacances tranquillou. Et là, je bosse de mon côté avant la rentrée. D'accord. C'est cool. C'est cool, mon petit mouk-mouk. Là, tu travailles quoi? Là, tu es... Non, tu fais plus les ménages, si? Bosse de mon côté, là tu travailles ton art. Nope. Ou alors on essaie de se faire un élite dès le début. Mais non, parce que là on s'éloigne trop là, non? Ah non, ça va. On pourrait récupérer ici. Ah, c'est tentant, hein, parce que on peut faire 1, 2, 3. En vrai, on peut peut-être partir de là. Et après, on a le choix. En fonction de ce qu'on pioche ici, peut-être soit on va là ou soit on va là. Et après, peut-être... Là, les pifs aussi sont pas mal. Hein. Combat. Tac, 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 pif. Non, c'est combat, 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 combat. Là, élite, pif. Et là, combat, combat, pif. Truc. Combat. Trésor. Ouais, c'est pas mal ça là. Tac, 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 tac. Donc soit là, ou soit ici. Donc on va aller là. C'est ça? J'ai cliqué. J'ai remis la casquette de l'artiste. Ah, le vrai job de Mouk Mouk. Avec les doigts pleins d'encre. Oh. Ah. Alors Ablette, c'était rigolo ça. Ça c'était rigolo. Transformez toutes les cartes de votre jeu en Ablette. Alors la cape d'invisibilité, sympa, mais c'est une carte que l'on pioche. Ablette aussi, remarque. Ça, c'est un passif qui donne 2 d'armure à toutes les... J'avoue que c'est pas mal, mais c'est... Est-ce que c'est Game Changer, ça? T'as regardé 2 saisons de The Witcher? Oui. Absolument. C'est même le seul média Witcheresque que j'ai regardé, en fait. Parce que j'ai pas fait les Witcher. Et avec le... Alors quoi? Alors? Peut-être qu'il y a un point d'interrogation qui... Pourquoi ils ont tué Ablette sans raison, salaud? Bah,
pour te faire pleurer, Mouk Mouk. Pour faire chialer Mouk Mouk. Évidemment. Bah, ça a marché d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on met ? Alors, petite cape ou un petit ablat. Alors, c'est rigolo ablat. En vrai, ablat est rigolo. Mais il faut avoir quand même pas mal de cartes dans son deck. Donc, il faudra prendre des cartes pour ablat. Parce qu'ablat, vraiment, ça permet de tout d'un coup de maximiser l'utilité des cartes non, enfin qui sont dans la pioche. Quand tu peux plus piocher, tu mets ablat. T'as 6 cartes dans ta pioche que tu peux plus piocher, ça te met 6 ablettes comme ça, boum, 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 boum. Imagine si ça avait tué Edwige sans raison dans Harry Potter, alors qu'elle meurt pas dans les livres. Attends! C'est vrai. Non mais là, ça aurait été... Tout le monde se serait insurgé. Qu'est-ce qui pourrait être le plus chiant contre le boss, là? Pour le boss, en tout cas. Une armée de ablettes? Tu veux une armée de ablettes? Allez, pour toi Mukama, pour ton cœur blessé, je prends Ablet. Est-ce une erreur? Est-ce une folie? Sûrement. J'ai envie d'essayer d'améliorer. Allez, vas-y, de toute façon. Non, le combo Edwige-Dobby, mon cœur était détruit là. Et là, Ablet, non, mais voilà. Voilà, c'est trop. Dob dob. Regarde pas Bambi. Hein. Regarde pas Bambi surtout. Bambi, il doit être de Bambi. Qu'est-ce que je veux dire hein? Comment ça fait 18 minutes qu'on joue et on a fait qu'un seul combat? Comment ça? Ah mais attends, non, pas du tout. Faut pas que j'aille là. Parce que je rate un feu. Très bien. Formidable. Un combat. Allez, on enchaîne. On enchaîne comme Kulchen. C'est parti. Un spectre. Qu'est-ce que tu fous, toi? Vous contrôlez 6 spectres de plus. Ou plus inflige. Paton. Titanic Ralapetric. Incroyable. Ça, ouais. Ça c'est bien, ça peut nous servir, ça c'est bien. Ça non. Ben voilà. Très bien, ça et ça, c'est un beau combo. Allez. Oui, c'est bon, on va partir là-dessus. Les cartes sont pas si mal comme ça. Donc là, l'idée c'est de partir sur lui. C'est parti. Sale démon ! Le sale démon ! Pourriture de communiste ! Ok. Après, le problème, c'est que Ablet, faut la piocher. Voilà. Il faut piocher Ablet. Et ça... Voilà. Ça, voilà quoi. C'est un spectre. Ok. Je le sors après. Quand même, on a 3 chances sur 7. Ah, mais c'est pas si mal ça. Ah, alors attendez. Parce que là... Chaque fois que vous jouez une unité possible... En même temps, elle va le bouffer, donc... Est-ce que je la détruis ? Maintenant, est-ce que c'est... Est-ce que je détruis ça maintenant? Peut-être que je pourrais le détruire avec ça, donc je peux le laisser. Parce qu'il va enlever un spectre, donc ça m'arrange un peu. Il va bouffer un spectre. Ça peut m'arranger. Pas trop me déranger. On va poser Gisèle quand même. Pour la Lyrie et Rive, pour le... Et je vais attendre de voir ce qu'elle fait. Ce que fait le spectre. Bon là, tu vas bouffer. Barou donneur, invoquer une unité aléatoire sur le... Ah, et oui, c'est là où... Ah, intéressant ça.
Ah ouais, bien sûr. Ah, Ablette. Ablette. Alors c'est pas maintenant, faut pas jouer à Ablette maintenant, faut attendre d'avoir tout pioché, parce que sinon, c'est formidable. Regardez, hop. Une belle ligne, ça c'est une belle ligne de con. Faudrait jouer ça. En vérité. La vérité. Pas ici par contre, Abrutiman. Merci, cordialement. La patience est une vertu. Tout à fait. Est-ce que je jouerais pas un truc là quand même pour fouiller, allez, c'est bon. Alors, les dégâts, dévorer une unité alliée. Ouais. Et c'est-à-dire, on peut le faire combien de fois? Une fois. Ouais, non mais pourquoi pas? Aussi, on peut détruire une carte là, on peut détruire Jean-Mich ou Gisalt. Pas ça du coup. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 7, oui, c'est bon, 8. On peut même détruire ça. On va détruire ça. Attends, non. Chaque fois que vous jouez une capacité. Ah oui, non, on va détruire celle-là parce qu'elle s'améliore. Elle s'améliore. Ok. Ah, encore? Bah, on va détruire les deux. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Qui veut goûter à la clé de... Au revoir. Salut Scully. Ouais, c'est bien ça. Ok. Bon, ça va, pour l'instant ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien. Ça se passe trop mal. Ça se passe trop mal. Ah chiche, si tu nous regardes, qu'est-ce que tu fous là? J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fous là? L'étonnement. Vous avez vu, j'ai joué l'étonnement. I have joué l'étonnement. Pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi ça marche pas? Pardon. Il y a une chance que ça marche pas, c'est ça? Je comprends pas. Vraiment, hein, je vous assure, je ne comprends pas. Dommage, on n'a pas eu... Ah si, quoi? On en a deux? Ah oui, on en a deux. Oh, ça c'est bien ça. C'est lui qu'il faut poser. Et après, on va poser des ablettes. Allez, bim! Ouah, 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 ouah. Infligez 3 points de dégâts à une unité ennemie. Au terme de votre tour, c'est la présente unité n'a pas utilisé sa capacité. Mais pourquoi tu fais ça? C'est sur lui qu'il faut taper. Sur elle, là. Alors, est-ce qu'on fait une petite armée d'ablettes maintenant? Je crois que oui. Il me semble que oui. Pourquoi? Parce que les Vosges sont quand même les clés de ce deck, tout à fait. Regardez. Paf, 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 paf. Alors, le prend pas mal, mais je vais bouffer des ablettes par contre. Je t'ai pas dit, mais le but du jeu, c'est de croquer des unités alliées. Je t'avais pas dit qu'on allait ouvrir une boucherie, chevalerine. Oh non, c'est dommage. Désolé, hein. Je suis pas sûr que ça. L'arnaque, tu sais. Oh, super, tu génères plein d'ablettes. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le pieu qui m'enfonce en plein dans le cœur après l'avoir reconstruit. À quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Absolument. Pardon. Pardon. Désolé, Mouk Mouk. Ah, même moi, ça me choque. Allez, regarde, en attendant, je vais laisser une ablette. Je vais manger Jean-Jacques. J'aurais dû manger lui, d'ailleurs. C'est pas grave. Allez, je vais manger lui. Je laisse une ablette, d'accord? On va reroll une vache. Regardez. Hop! Un héros parmi nous. Réinitialiser la force... d'une unité. Mais c'est fort ça. Genre toi tu vas te calmer à 4. Ah oui, très bien. Trop gentil. Trop gentil. Je vais voir si je peux essayer de les épargner. Mais rien n'est moins sûr. Hein. Maraude d'honneur, générer 2 rats sur une ligne ennemie aléatoire. Mais qu'est-ce que lui est? Oh là là, je suis pas d'accord moi. Non, 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 non. On me met pas des rats comme ça là. Infliger... Zèle ordre, infliger... Ah, je peux pas le cibler, c'est ça?
Je peux le détruire, lui. Mais il l'a fait déjà ? Infliger 3 points de dégâts à une unité ennemie au terme de votre tour. Ah oui, il l'a déjà fait. Bon, donc on s'en fout, quoi. On s'en fout. Finalement, là, en vrai... oui... Combien de spectres, là ? Ah oui, mais non. Attention, hein. 6 spectres ou plus. Attention. Attention. Sinon, on peut détruire lui. Attendez, j'ai une idée. I've got an ID. Faites pas ça chez vous, hein. Est-ce que je peux prendre une petite tablette, quand même, là ? Ça te dérange ? Pour le... Bon, une vache. Allez, d'accord. Mais avant, Non, en bas, je vais me verrouiller. Je vais me verrouiller en bas. Pardon ! Regarde pas ! Moukmou, ferme les yeux ! Et paf les rats ! Mais je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Déjà, on a enlevé un spectre. Ça, c'est bien. Donc, il n'y a plus que 3 spectres. Ça, c'est pas des spectres. Heureusement, sinon, on est mort. On va manger... On mange pas d'ablette. On mange pas d'ablette, on a dit. Très bien. Et on va manger... toi, là, tu sers à rien. Non, on va faire manger la vache. Ah, vous allez me dire, mais t'es un con. Améliorer une unité alliée de 6 points. Ah. T'es un con, tu vas me dire. Mais non, regarde. Bonjour. Alors, c'est assez de sacrifices pour la victoire, ça me va. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Je détruis pas des ablettes pour le plaisir. Comme ça, là. Pour le zizir. Qu'est-ce que ça fait, ça ? 2 rats sur la ligne ennemie aléatoire. En vrai, ça me dérange pas vraiment, en fait. Ah, mais j'ai déjà joué un truc ? Ah oui, j'ai déjà joué un truc. Autant votre tour un point de dégâts à une unité ennemie disposant de la force la plus élevée. Oui, pourquoi pas. Ça sera sur toi, là, bon. Ouais, non, mais... Pourquoi pas. Toi, t'es à 4. Ok. Et toi, t'as combien? À 4 aussi. Donc oui, ça m'arrange pas trop. Est-ce que je te mangerai pas? Non. On va manger ça. Et on va manger... Non, pas ablette. On va manger ça. Ah, regardez. C'est technique, ça. Hein. C'est très technique. Les deux sont à 10. Peut-être que ça fera 2 dégâts. Mais rien n'est moins sûr. Non. Et bim ! Bon, voilà, ça se passe bien. Hein. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal ! Pardon. On améliore, non, on peut faire des dégâts. On peut faire des dégâts. Hein. On pourrait détruire les deux. J'ai envie de détruire ça quand même. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir détruire ? Ah non ! Oh non alors ! 1, 2, 3, 4 spectres, attention ! Attention, il faut que j'en détruise un, ça c'est sûr. C'est des spectres, ça, ouais. Ça, là, ça m'arrange bien. Ça me donne des points, gratos. Ça me coupe pas trop, le truc. Peut-être toi, là. Tu fais chier, en fait. Si je puis dire. Non, toi, là. C'est mieux. Oui, respectons-nous. Et hop. Formidable. C'est pour le plaisir. Transformer toutes les zones unitaires. Heureusement que non. Hein. Ça m'aurait transformé mon truc là. J'aurais été un petit peu vert. Allez. Mange.
On mange Michel. On mange rien sinon. Si on mange Michel. Le spectre de Billy, c'est une mariée qui s'est fait massacrer avant son mariage. J'adore le Lord of the Witcher. Spectre de minuit. Midi ou midi ? Minuit. 1, 2, 3, 4. 4 spectres pour l'instant. Tu n'en feras rien. Alors, il y a les deux. On va mettre combien de dégâts là ? Là, on est à 11. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On met 12. Bah, on met 12, on tue les deux. En vrai, le plus intéressant, c'est ça. Je sais pas. Là. Calme-toi. Et à table. Non, ça va, je vais garder mes points. On garde Ablett. Je garde la tablette là et on mange lui là. Non, on mange un petit rat pour le plaisir. Pour se faire un petit amuse-bouche. Bon, c'est bon là. 1903. S'il nous sort moins 50 et plus 70 pour lui, je comprends plus, j'arrête le jeu moi. Je me casse. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça va. Eh, hey, quand même, il nous a descendu 87. Ça va. On avait un peu d'avance. Il est pas mal, le deck est sympa là. Et finalement, Bleblette, attention. Et le... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait supprimer ? Non. Ah, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. Infliger à une unité ennemie un montant de dégâts équivalent au nombre de cartes situées à gauche de la présente unité, puis améliorer cette même unité donc, cette dernière unité, d'un montant équivalent au nombre de cartes situées à sa droite. C'est intéressant, j'aime bien. Ça c'est de la merde. Parce que j'en ai qu'une. Bon, après, elle peut se faire bouffer. Générer deux bourbons sur cette ligne, puis améliorer toutes les autres insectoïdes. Ouais. Améliorer une unité alliée de 1 point au terme de votre tour, augmenter cette valeur de 1 point. On peut améliorer... Oui. Oui. Ça, c'est bien. Les dégâts. Faire des dégâts. C'est polyvalent, en fait. Cette carte est polyvalente. Sachez-le. Et c'est plutôt bien d'avoir plusieurs cartes. Pas trop, enfin... Ouais, c'est pas... Je ne sais pas. Transformer une carte, non. Je veux de l'énergie, s'il vous plaît. Alors, en théorie, quoi, on en a eu deux, là, de... C'est ça, hein. Ah non, un, deux. Oui, c'est ça, on en a eu que deux. Alors, ensuite, nous irons au bois. Un pif. Attends, un combat, un pif. Non, un combat, un truc. Non, je préfère un pif. Bon, de toute façon, on est là. Si tu perds, tu dois tout recommencer. Oui. Oui, c'est comme Slay the Spire, quoi. C'est un roguelike, hein. C'est un roguelike. Donc, dogodon. Ah, main de départ, plutôt sympa. Pas trop dégueu, on va dire. Ah, il nous faudrait l'autre, là. Ouais, pas mal. C'est rare les roguelikes en cartes. Ah bon? C'est ironique? C'est ironique, Mookmook ou quoi? Slay the Spire, putain, mais Rogue Mage, Rogue Lord, je veux dire. Oui, c'est d'accord, ok, c'est, merci. Parce que là, depuis Slay the Spire, il y en avait un peu avant, mais ça a explosé quoi. Il y en avait partout. Bon, on va voir. Attends, qu'est-ce qu'il fait lui ? Au terme de votre tour, détruisez une unité ennemie aléatoire ayant une force inférieure ou égale à 2. Oh, Holuman ! Oh, Holuman ! Oh, il va. Ok, bon, au moins. Merde ! Je voulais le mettre en bas. Bon, c'est pas grave. C'est pareil. C'est pareil, aïe, 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 aïe. C'est pareil, aïe, 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 aïe. Oh, non, mais il va être relou lui. Lui, c'est Roluman. Hein. Ajouter 2 points d'armure à une unité alliée, dommage. Ordre, ajouter 1 point d'armure à une unité alliée. C'est toujours plus intéressant. Mais il est nul. C'est ça, quand il y a une mode, après, t'as toutes les dérives qu'il y avait à l'époque, des Battle Royale. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je sais pas si c'est l'époque des jeux de cartes, des deck builders, mais je pense pas quand même. Hein. Je suis sûr même. Ajouter 1 point d'armure à une unité alliée. Tous les tours, hein.
Il veut se chiant, lui. Il va être relook. 1, 2, 3, 4, 5. On peut mettre 5. Je chie un peu de... Alors, infliger une unité ennemie. Elle va mettre ses animaux là, c'est sûr. Oula, mais c'est là. Il est pas trop con. Paf. Oh la vache. Attends, c'est 3 ou plus ? Non, 2 égale à 2. C'est pour ça que ça me dérangerait pas de travailler pour un studio indé. Il y a des pépites parfois, c'est trop cool. Grave. Comme Road 96. Hein. Road 96, trop bien. C'était super. J'ai vraiment kiffé cette aventure. C'était super. T'as kiffé du coup ? Ah ouais, grave, c'était génial. C'était très très bien, ouais. Je comprends pourquoi il a eu du succès. Ok. Allez. Invoquons, on a de quoi faire là. Ah, intéressant ça. On peut mettre 3. Mais on ne pourra pas détruire Michou. C'est quand même le plus intéressant. Ah, quoique. Petit barreau d'honneur, là. Bam, 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 bam. C'est de français, ouais. Montpellier, visiblement. Et une deuxième. Ah, générer et jouer une copie d'unité bronze dans votre main. Ah, est-ce que j'ai des unités bronze dans ma main? Oui. Oui, et oui. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ajalmar. Ah, Ajalmar, c'est pas mal. Chaque fois que vous jouez une unité possédant une capacité de déploiement. 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 Barreau d'honneur. Oui, mais ça peut se pimped quand même. Hein. Les dégâts. Ce sont les dégâts. Ah, par contre, ça fait chier. Ah, c'est pas grave, regardez. Hop. Qu'est-ce qu'on veut détruire? Lui, il est relou, lui, hein. En vrai, il est relou. Paf. Ok. Et j'ai rien pour bouffer là. Qui veut goûter à la tête de Skelly ? J'ai bien aimé ce tour. Ah, c'est le saignement, oui, d'accord. Chaque fois que votre adversaire joue une unité, infligez un point de dégâts. Ah. Ça c'est chiant. Ça c'est bien chiant. Allez. Casse-toi. Fous-moi la paix. On peut détruire ça. Infliger à une unité ennemie un montant de dégâts équivalent au nombre de cartes situées à gauche. Ah mais non, je pourrais pas. Ça ne suffit pas. Ah, ou alors je détruis ça. De toute façon, je vais perdre... Je regarderai 4 remarques, mais... Peut-être que... Oui, c'est peut-être le moins pire. Comme ça, c'est fait. Et il prend pas le dégât, du coup. Puisque je le détruis avant de le poser. Ah, intéressant. Je savais pas. Affiche un point de dégâts à la présente unité et une unité ennemie. Paf ! Ok, pourquoi pas. Je fais des vaches, comme ça, ça fait du... Ça... Ah ! Ah ! Ah ! Alors là... Alors là... Bam bada bam 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 bam. Tous les tours ? Ah ! Tous les tours. On pourrait détruire, on pourrait le détruire. C'est fait comme ça. Allez, d'accord. J'accepte. En même temps, ça temporise bien. Non, moi j'aime bien. Ok. Je détruis pas une de mes vaches parce que lui là, je vais les détruire sinon. Les autres entreprises qui font les demandes dans mon école viennent très souvent du sud. Ah!
Ah, Mouk Mouk qui se rapprocherait de la Equilibre Production. Ah, moi je t'embauche, hein. Moi je t'embauche, hein. Si tu travailles gratuitement, je t'embauche, hein. Si même tu me payes pour travailler, je t'embauche. Sache-le, Mouk Mouk. Je suis sûr que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, ça. Ok. Ah, j'avais un truc dans l'œil là. Qu'est-ce que j'ai envie de bouffer, moi? Ah, Ablette. On ne piochera pas Ablette. C'est terrible. Là, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Déploiement, répartir 3 points de dégâts à toutes les unités ennemies. Ok, infliger 1 point de dégâts à une unité ennemie, sauf de 102. Inflige 8, 3 points à la place. Ouais. Soigne-toi, Michou. Toi, tu me serviras à rien. Ah là là. Terrible. Tout est mieux que toi, là. Donc là, il pourra rien faire. À moins qu'il arrive à mettre des dégâts. Ah oui, mais là, ça va mieux. J'ai 2 points de dégâts aux unités ennemies situées. J'aime ta façon de mourir, humain. C'était là qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave. Bon, je passe à l'heure que je vais travailler un peu avec ton stream à côté. Ok, mon Mouk Mouk. Merci de ta présence en tout cas. Bon courage pour le travail. Et à bientôt. Ah oui. On va reroll la vache. Mais oui, c'est clair. On va garder ça. Et au tour d'après, on pourra mettre ça. Déploiement. Oui. Est-ce qu'on l'améliorerait pas plutôt? On l'améliore ou on détruit? En vrai, il nous fait rien là. On va l'améliorer, on va faire un gros ton. Allez, on va faire un juste milieu. Infliger à une unité de carte située à gauche. Toi ou toi? Une crête, maraudeur. Et Dimoun, capitaine. Bon, le capitaine. Foutre le bordel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le petit bâtard a infligé 3 points de dégâts à une unité ennemie de... Et toutes ses copies. Ah non, j'avais envie de déployer lui avec les rages. J'étais content de mon move. Oh là là, ça c'est pas sympa ça. Pas sympa. Il est pas sympa le mec. Est-ce que j'ai envie de bouffer un truc? Ben non. En vérité. Même pas. Est-ce qu'il y a un truc qui... Ben non. Non, ce sera trop tard. On va faire les dégâts maintenant. On va détruire ça là. Aïe! Petit bâtard. J'aurais dû le bouffer. Ok. Ah merde, je peux pas faire de vache. Bon, ça sert pas à grand chose en réalité, mais... merci Michel. Bon, bah, on va essayer comme ça. J'y crois. Ah, parfait en plus. On a eu le plus.
Jouer du rat agitateur. Jouer du rat compagnon. Je me taperai bien une patte. Améliorer toutes les unités sur le nid allié de 1 point. Mais c'est nul. C'est complètement nul. C'est quoi ce move? Ce move ridicule. C'est ridicule. Ridicule. Assassin. Assassin de la police. Oui. Ah ça c'est pas mal. Ah ça c'était pas mal aussi. Ah j'ai bien aimé. Ouais, je vais la jouer là. J'avais envie de la jouer. Tout à l'heure on l'a fait pop. Pop. A knife. Un couteau, pah. Il me prenait pour un bout de pain ou quoi? Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, on va faire le pif. On veut du combat ou du pif? Non, un petit pif. Ah! Combien? Vous gagnez 1 à 100 points d'énergie. Vous gagnez 2 cartes blessures. Retirez la présente carte de votre jeu. Ah, en vrai... Non, en vrai, c'est chiant. Avec Ablette, ça pourrait... Mais là, on a beaucoup trop de cartes. Non, tant pis. Non, je le sens pas. Non, merci. Vous connaissez parfaitement les dangers de l'inconnu, préférant ne pas courir de risques. Vous quittez le site d'énergie et poursuivez votre route. Non, 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 c'est trop dangereux, ça. La vérité est trop dangereux. I'm back. Un combat. Pas de tergiversation possible. De quoi? 50 minutes de VOD? Ok, ok, on est... Ok, on est bien là, on est bien. Ah! On a Ablette. Transformé, c'est pas généré. Donc ça marchera pas avec ça. Au terme de votre tour, améliorez tous les sylvains alliés de 2 points par dryade, leur étant adjacente. Ça va venir des gros tontons. Là, ça peut être utile. Admettons. Oh la vache. Décapitez, sale démon! 69. On a 69 d'énergie, ça c'est bien. C'est plutôt pas mal. Attends, notre tour, déplacer la présente Indriad. D'accord. Ah ouais. Est-ce qu'on la détruirait pas direct? Ouêtre. Oh, Lord Goosabi, pardon. Excuse-moi, Lord Goosabi. Mais bien sûr, bienvenue. Installez-vous donc. J'ai vu du Gwent. Il y a du Gwent, en effet. Plus exactement, c'est Rogue Mage, mon cher Kubazi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Kubazi. Tu seras Kubazi ce matin. Non, c'est faux. Excuse-moi, je te disrespecte alors que tu me fais un raid de l'amour. Ah, mon cher Lord, comment vas-tu? Salut Sky. Comment avez-vous, mon cher ou ma chère? Il est gratuit. Alors, non. Mais il coûte 10 euros. Il coûte 10 euros, c'est un standalone en fait du jeu Gwent qui s'appelle Rogue Mage. Et je suis plus sur Dofus. 10 euros, ça va. En vrai, ça va. Merci Sky, merci beaucoup pour ton follow. C'est très gentil. Merci encore, Lord, pour ton raid. C'est cool, ça fait plaisir. Ouais, alors du coup, il s'agit d'une version roguelite. Roguelike en tout cas du Gwent. Donc on est un peu à la Slay the Spire, mais avec les règles du jeu de Gwent. Donc, déjà le Gwent était pas mal dans Witcher 3. À voir pour le prendre. En vérité, si tu veux voir quelques games, il y en a certaines sur la chaîne YouTube, si t'as envie. Et là, on en a 18, alors c'est incroyable. Évidemment qu'on trinque, mon cher Sky. Enfin, attention. Évidemment, avec le... Alors, attends. On trinque pas un verre vide, hein, tout de même. Je la refais. Je te chèvre. Salut coach. Coach Edwin. Salut coach. Le Gwent, le seul truc bien de The Witcher 3. Super la tasse. Ah ouais, c'est la tasse chèvre.
C'est la tasse avec laquelle je vous chèvre. C'est la tâche. La tâche Gold. J'arrive pas à parler ce soir. C'est peut-être parce que je me crois le soir. Je ne sais plus. En tout cas, ce petit mode, la Rogue Mage, est vraiment sympa. Je connaissais pas, moi, le Gwent, parce que je n'ai jamais fait The Witcher. La tâche Goat Simulator, exactement. Goat Simulator 3. Hein. Ils nous ont gavé là, à la Gamescom avec leur. Avec leur Goat Simulator 3. Non, mais sérieux, quoi. Salut, Kavid! Comment vas-tu? Terrible. C'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, soleil. Non, ça, je le garde. Faut pas déconner. Attendez. Bon, on va voir ce qui se passe. Ah, on fait le retour du Gwent. Mais bien sûr. J'allais pas abandonner le Gwent comme ça. C'est beaucoup trop bien pour ne pas faire du Gwent. Je vais attendre encore un tour. Parce qu'on va quand même générer deux cartes. En tout cas, installez-vous bien ici. Ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis moi-même. Voilà. Et ensuite, nous faisons le matin. On a deux sessions le matin, deux sessions le soir pendant la semaine. Mardi et vendredi le matin, mercredi et dimanche le soir. Le matin, on joue plutôt à des roguelikes. On joue à des roguelikes, c'est pas plutôt, on joue à des roguelikes essentiellement. Et le soir, on fait plutôt des jeux narratifs. D'ailleurs, mais t'es sur la version Rogue Mage. Oui, je suis la version Rogue Mage. Mais depuis le début, en fait. Depuis que je joue à Rogue Mage, à Gwent, je ne joue que à Rogue Mage, figure-toi. Et du coup, le soir, nous jouons à des jeux narratifs. Les derniers que nous avons fait, c'est Road 96. Je vous le conseille. C'est trop bien. Déjà, mais trop. Mais c'était très très bien, ouais. Qu'est-ce qu'il fait, celui-ci? Déplacer l'unité de combat vers la ligne de combat de distance. Vous voyez là? Non, pas du tout. Oh, même pas marrant. Comment ça, ou même pas marrant? Mais Kavid, enfin. Je vais me faire à manger, des bisous. Bon appétit, mon cher Lord. Kubazikabazikizabi. Non, Kuzabi. Allez, je sais le faire. Merci beaucoup en tout cas pour le raid. C'est très gentil. Et vous étiez sur Dofus, vous, c'est ça, hein? Tu es un joueur de Dofus, toi. J'avais vu. Je connais pas du tout Dofus. I am a quiche in the Dofus. I am a quiche in the Dofus. J'ai joué? Non, j'ai pas joué. Est-ce que là, ce serait pas le moment de ne pas le tuer? Parce qu'on ne pourra pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, on fait ça. J'avais pas compté. Abrutiman. Il avait pas compté. Hé, Gisèle, oh, je fais n'importe quoi. Me ferait un petit versus amical, mais même pas. Ah, tu veux dire... Ah mais non, on peut pas là. Ah non. Comment ça? Qu'est-ce que... Pourquoi? À quel moment? Où? Qui? Infliger 5 points de dégâts à unité ennemie, coup mortel, amélioré. Un sylvain allié aléatoire de 2 points. Terme. Ok. Donc il y a des sylvains partout. Ok. Ok. Ah du coup on a plein de vaches là pour Rin. Ça fait un petit peu yesh. On va quand même jouer ça. Là il faut qu'on s'améliore un peu là. Il faut qu'il se passe un truc. Oui d'accord mais c'est peut-être le moment là. D'invoquer des trucs. Kusabi. Ok je note. Jean-Mich, viens là. Et... Ah, peut-être lui, j'aime bien. Ce que je vais faire est technique. Ne le faites pas chez vous. Hop là. Si quelqu'un veut, j'ai un code Prime pour Gwent. Oh, c'est cool ça, c'est gentil. Tu aurais dû prendre le glouton. Ah, j'y joue pas donc bon. C'est gentil ça. Merci Mukama. Merci Mugmuk. J'aurais dû prendre le glouton. C'est quoi le glouton? J'ai pas vu. Pas fait gaffe. Ça j'aime bien parce que ça peut quand même générer. En tout cas, ça rend un peu plus utile mes vaches. D'ailleurs,
J'ai joué un sort, évidemment, c'est ce que je viens de faire là. C'est bon, c'est bon. Jouez une carte spéciale, bronze, depuis votre cimetière. Oh non! Petit bâtard! Il va tuer celui-là. Bon, ben, tout est foutu. Tout est rated. Ah, il y a rated mon coup. Ah, mais non, mais j'ai pioché aucun des deux. Ah là là, le blue con mange toutes les cartes de 1 sur tout le terrain. Par unité mangée, ça fait 2 points de plus. Par unité mangée, 2 points de plus par unité mangée. Ah ouais, pas mal. En effet, c'était sympa. Après, j'ai... Ouais. Ah, ok. C'est vrai que là, oui, j'aurais pu bouffer 2 Sylvains. Ok, j'ai pas lu, tu vois. J'ai vu Jean-Mich qui s'est fait tuer d'ailleurs. Hein. Super. Et je me suis dit, allez, vas-y. Va pour le Jean-Mich show. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? 2 points de dégâts déplacés, hein. Soignez-la. Elle a combien de vie? 5. Mais quoi, elle s'est fait améliorer d'elle? Bon, c'est pas. On est à égalité là. Attends, ça se passe pas très bien là en vrai. La vérité, ça se passe pas très bien. 2 Sylvains plus 3 Vas aurait fait 16 points au total. Ok, dit comme ça, je suis pas content. Ouais, dit comme ça, je suis pas content. Ok. Mais ok. Si personne prend le code, je suis preneur. Va, hein. Va, je t'en prie. Et Mouk Mouk l'a proposé à la commu. Et tu es là. Prends. C'est pourquoi en fait c'est des skins, des machins, des trucs, des packs, un petit pack. Qu'est-ce que je veux bien faire? Est-ce qu'on jouerait pas Ablette? Baril premium ultime, plus carte légendaire premium. Aucune idée de ce qu'il y a dans le baril. Ah, d'accord, ok. Non, ça c'est pas intéressant. Est-ce que je jouerai... Est-ce qu'on reroll une carte? Ou est-ce que je la joue safe un peu? Si vous me contrariez, mon ami ici présent vous mettez... Intéressant ça. J'aurais peut-être dû le faire avant. J'aurais pu voir si les ablettes marchaient. Non, parce que là, ça ne génère pas. C'est transformer toutes les cartes. C'est pas générer. Donc là, c'est quand. Il faut que vous générez. Ouais, d'accord. C'est assez précis pour le coup. Ok. Badabadabadam. C'est mon arbre, je suis né avec lui, je mourrai. C'est vrai que ça se pime pas mal là-haut, hein. Va falloir faire un truc là. Va falloir faire quelque chose. Ouais, mais ça m'arrange pas vraiment en vrai. Ça ne m'arrange pas du tout même. Bon, il va se faire bouffer, de toute façon, c'est pas très grave. Ouh, on peut mettre 7 de dégâts. Un salopio. Au terme de votre tour, si la présente unité possède l'attribut vitalité améliorée de 1. Au terme de votre tour, améliorez tous les Sylvains alliés de 2 points par dryade leur étant adjacente. Est-ce qu'il y a une dryade? Oui, il y a une dryade ici. Faudrait la détruire. Faudrait détruire cette dryade. Pourrais-je détruire cette dryade? En détruisant ça, peut-être. Admettons. C'est peut-être pas le plus rentable, mais euh...
Ça, peut-être pas, non. Ah merde. Peut-être une ablette alors, tant pis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 1, 2, 3. On en a 3. Ok. Est-ce qu'on génère? Non. Là, on en générerait, on en aurait généré 3, ouais. C'est pas super. On pourra plus rien bouffer si je fais ça. Ah, si je fais ça, c'est la merde. Quoique, on pourra jouer là-haut quand même. Est-ce que j'ai vraiment... Oui, si, si, c'est bien ça. Ça me plaît comme idée. L'idée me plaît. J'ai manifestement un effet pour les gueuses cornues. Les gueuses cornues. Calme-toi, José. Mais enfin. Dame Aitney nous interdit de parler aux étrangers. Qu'est-ce que tu fous? Dryade encore. Les meilleures plumes, on les trouve sur la forêt. Ça monte très très vite. Au secours. J'ai plus de place là, c'est ça? Ah ouais, c'est ça le problème. C'était le problème. Bon, c'est pas grave. On peut peut-être jouer lui. Lui, en vrai, il sert à rien. Ça ne sert à rien. On peut détruire ce Michou. Est-ce qu'on peut détruire celui-là? 16, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah si, on peut le détruire. Ah, intéressant. Si, si, intéressant. On va faire ça. Tous les monstres marins ! Ça va mieux. La plume est plus puissante que l'épée. Ah, dommage ! C'est au déploiement. C'est pas grave. Ok. On va se faire bouffer lui, c'est pas grave. Ça me va. Améliorer. Ça améliore. 50, 60. Oh là 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 là, ça va vite là. Ça va très très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux lui mettre 8. Je peux mettre 8 à une unité. Ça, ça peut être chiant pour lui. Si je détruis ça, ça pourra pas améliorer ça peut-être. Ça dépend ce qu'il joue. Hein, mais... Évidemment. Il doit bien avoir une dryade ici pour la rejouer là. Petit bâtard. Ah là là, je sais pas. Salut Kane. Bon app. Bon app à toi en tout cas. Je sais pas où t'en es. Vous avez tous la même couleur dans le chat. Mukama, Kavid et... et Kane, vous avez tous les trois la même couleur. Il va falloir que je sois attentif. Ah attendez, il y a Crocro qui s'envole. Le Crocro s'envole. Hop. J'espère qu'elle aura le message. Ouais, peut-être. Alors, qu'est-ce que je peux faire de beau pour essayer de me sortir de ce mauvais pas? Ou alors je l'améliore de ouf. Je fais un plus 8. Est-ce que ça... Est-ce qu'il peut y avoir un game changer sur ça? Sachant que j'ai pas fait de pouvoir, donc je peux détruire une carte. Ou je peux générer une carte aussi. Peut-être que c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut jouer. On peut faire popper un truc, ouais. Pam 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 padabam, pam 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 pam. Jouer une carte spéciale depuis votre jeu. Ouais, peut-être qu'on peut détruire ça. Quand tu vas, Kane? Bon appétit à toi en tout cas, j'imagine que
Attends, elle a combien de vie? 2. Super. On n'est pas obligé, on peut l'amener à 1, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre 9. On peut pas. Ah, mais on pourra pas la détruire en fait. Ah, shit. Par contre, on peut détruire lui. On pourrait détruire lui. Ouais. 8. Ah non, pile poil. Non, on est BZ aussi. On ne met que 8. On ne met que 8, hein. Ah, c'est terrible. Voilà, on a détruit lui. Mais est-ce qu'un plus 8, c'est mieux que un moins 7? Moins 2, moins 9. Ah, on va faire des dégâts, hein. Et toi, t'es combien de vie? Ah, merde, c'est... Et ouais, 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 ouais. 5 et 8. J'essaie un truc. Ah! Détruisez une unité alliée, il y a une force de 1, puis améliorer la présente unité de 2 points. Ah, c'est bien ça. C'est pas si mal. Ok, ok. Du coup, on va faire de la place ici. Donc, là, on va détruire un truc, et là, on le pimp. 5, 6, 7, 8. 8 dégâts, elle sera à 2. 8 dégâts, elle sera à 5. Ça sert à rien. Ou alors je détruis ça. Oh, c'est chiant. C'est un dilemme. Comme je ne les aime pas. Bon, c'était un compromis un peu bâtard, mais là au moins c'est sûr qu'il pourra pas s'améliorer lui. Alors que là, bon, à moins qu'il en joue une là, mais bon. Ok, je crois qu'on a tout donné là. 105, boum. Affiche 2 points de dégâts à unité ennemie. Ok. Du venin de Manticore devrait faire l'affaire. Ah bah c'est pas très grave en vrai. Je n'utilise pas du tout sa capacité à lui. Bon, par contre lui c'était le bon pif, hein. Il est quand même fort, hein. Il dévore des choses de manière automatique. Et c'est pas dégueu du tout. Pourquoi? Ah non, c'est sur la ligne opposée. Lui il aurait dû aller là. Ah mais non, de toute façon je n'avais pas le choix. Puisque je l'ai, c'était un reroll. D'ailleurs... Attendez, on va poser ça ici ou là? On peut le poser là, hein. Qu'est-ce qu'on joue comme sort? On reroll un truc ou pas? Attends, parce qu'on est, à combien? 73, il y a 73 quand même, ça peut monter vite. On peut nous faire une dinguerie là. On peut nous faire une dinguerie, hein. Après on peut rien péter. Allez, on va la jouer safe. Ah! Masquer les cartes. C'est bien ça. Sur lui là. 5, ça lui enlève moins de 10. Ah, moins de 10. Ah ouais, petit moins de 10 là. Dévorer 2 unités depuis le cimetière de l'adversaire. Mmh. Moins 10. Et moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais bouffer ici, ça. 7 et 5. 12. On est sur un 12. Plus 12. Ah, attends. Je peux les choisir, je crois. Mais ce serait aléatoire. Ce serait écrit aléatoire. Donc, on a quoi ici? On a un plus 13. Là, on a 5 moins 10. Plus 15, donc. Jean-Michel. Hein. Pas de quartier! Il fallait nourrir les poissons! Ah ouais. Ok. Voyez-vous, il a très faim.
Le code, je crois que c'est sur... tu dois aller sur GOG. Tu dois aller sur GOG. Tu sais que c'est comme sur Steam, Kavid. Tu vas sur GOG et tu rentres le nom, un code. Rentrer un code ou un truc comme ça. Tu vas sur le site de GOG. T'es pas obligé d'avoir l'appli. GOG Galaxy. Ok. Parce que là, on a tout donné. Ah oui, bon, ça va. Ah, il a fait une dinguerie quand même un peu. J'ai une petite dinguerie. Une dinguerie nouette. Ça va. On l'a joué large. On l'a joué jolard. Sylvain Furieux, adieu. Adieu le Sylvain Furieux. Non mais je m'en fous. Ah, y a ma bonnette. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait enlever ou ajouter? Ouais. Ah bah non. Détruisez une unité alliée, puis améliorez la présente unité d'un montant équivalent à la force initiale. Sa force initiale. Un truc qui bouffe des trucs. Ah, c'est mieux ça. Ça nous donne une chance supplémentaire. Alors attendez, juste une seconde. Je dois vérifier un truc pour le taf. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Le temps, c'est de l'argent. Le temps des cerises. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que j'ai un rendez-vous, mais c'est à 18h. Alors là, on a vachement de temps ensemble. Oui. C'est ça. C'est oui. C'est bien ça. J'y comprends que dalle. Pour rentrer le code? Attendez, on regardera ça tout à l'heure. Jouer 3 unités générées et jouer... Attends, c'est un... 3 unités bronze aléatoires. Ah! Non mais ça c'est bien. Ça c'est pas mal ça. Prendre la place, mais ça fera un golem. Je crois que ça fait 12, c'est une créature à 12. Il faut aller sur ce lien. Sur Steam par contre, aucune idée. Ah, c'est pour Steam? Mais c'est quoi comme... c'est un code pour quoi? Ça t'écrit quoi en fait, Mukama? Ça te dit c'est un code de GOG ou c'est un code de Steam? C'est vrai que Gwent, ça peut être, c'est sur Steam aussi. Autant pour moi, je dis direct GOG moi, mais parce que... Mais peut-être pas en fait. Jouer 2 unités depuis n'importe quel cimetière. Si les 2 cimetières sont vides, générez un revenant de Kael Wed sur chaque ligne alliée. Mais c'est une carte ça. Carte de plus quoi. Jouer 2 unités depuis n'importe quel cimetière. Mais c'est quand même... C'est quand même fort. En vrai c'est quand même fort. Mais je suis tenté de prendre ça quand même. Allez. On va tenter de prendre le... Mais est-ce que c'est pas trop tard? Non, je pense pas. Ils auraient pas fait ça. Si, ils auraient pu, mais... On va aller là, là, ici, là, là. Là, là et là, ouais, c'est ça. Ah, il nous reste pas beaucoup, hein. Est-ce qu'on se garderait pas... Est-ce qu'on se ferait pas une deuxième VOD pour essayer d'aller au bout? C'est pas précisé, donc c'est peut-être pour les deux. Mais étant donné que le jeu est fait sur GOG de base, je pense que ça se passe sur Steam. Ça se passe pas sur Steam. Je pense pas que ça se passe sur Steam. Bah, j'aurais dit ça aussi, mais peut-être des fois c'est précisé. Bah, essaye les deux, hein, Kavid. Hein. Essaye sur Steam et essaye sur GOG. Google. On veut aller là, nous, hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que je couperai pas maintenant? Je ferai pas une petite pause? Petite pause. Ah, on va faire ça. YouTube, la suite au prochain épisode. J'ai cru que j'avais coupé. En appuyant malencontreusement sur le bouton. Heureusement que c'est pas trop sensible les boutons du Stream Deck. Hein. Au secours. Cette fin là dégueulasse. Oh, bah. Allez YouTube, cette fois je te fais vraiment des bisous. Je te dis à plus tard pour la partie 2 de cette dixième épopée de Rogue Mage.
À des bisous. Des bisous, tu vas bientôt. Au revoir.